ta table et je l'ai cassée. Mon dieu, mais que se passe-t-il? Tac dans les autres si tu veux. De toute façon, je vais y aller, là, il est 22h25. Re, monsieur Blorky. Regardez-moi ça, mais la rue elle est pas droite, les gars. Elle est pas très droite. La rue elle est pas droite, hein. Est-ce que nous tu nous vois ou pas? Pardon? Non, vous êtes pas tordu, vous. Non, c'est faux, j'ai pas bu. Ah putain, oui, c'est vrai que la rue elle est vraiment pas droite. Hein. J'ai pas bu du tout. Ah, c'est vraiment. Ah, c'est super. Tu vois vraiment. Ce truc. Remonte, c'est génial. Ce truc est tellement magique. Ah ouais. Regarde la rue qui monte là. Oui. Oh putain. Merde, quelle faille. C'est qu'est-ce qu'il y a, la rue elle est pas droite? Ah bah elle est pas droite du tout. On va voir sur son live. Non, c'est sur son live. Oh, la rue elle est pas droite, les gars. Tu fais slash live. Ah, c'est bien ça. Voilà, la rue est pas droite du tout. Ah, c'est extra. Les joueurs aussi, si on se met loin, attends. A priori, non. Alors attends, vous êtes où? Ah oui, si on se met sur la rue. J'étais exceptionnel hier, Mr. Blorky, parce que c'était pour célébrer. Oh, si, t'es tordu. Va te mettre au bout de la rue, là-bas. Attends, je vais me mettre au bout de la rue. Genre, je vais me mettre sur un arbre. Pour que tu me vois bien. La distance de rendu est plus bizarre. Mais t'es où? Vas-y, pose-toi par terre, Cyrano. Attends. Ah ouais, attends, t'es où? Ah si, vous êtes pas tout tordu, mais par essaye contre... Essaye de pas bouger, juste de reculer pour voir ce que ça donne, en fait. Non, la distance de rendu, elle est toute petite, en fait, avec ce shader. De build avec ce shader. Attends, ça regarde, parce que du coup, moi j'ai bougé. Ah oui, et tu sais qu'il y a moyen de faire des espèces de défis comme ça. Ils s'amusent à faire des défis gâteaux, là. Mais c'est peanuts à côté de construire moderne en ayant ce shader. Ah putain, ouais, ce serait génial. Mais franchement, artistiquement, je trouve qu'ils sont géniaux, ces shaders. Mais je sais pas comment ils ont fait ça. Et regardez, c'est énorme. Je peux vous faire disparaître derrière la route. Et Trota, faut que t'essayes de faire ça avec le mode 3D. Le mode quoi? Tu sais, Minecraft a un mode 3D. Je sais pas ce que c'est qu'un mode 3D. Mais personne l'utilise, mais en fait, Minecraft, tu sais, si tu mets les... Ah, les super secret settings? Non. Tu fais échappe, option graphique, il y a un truc qui s'appelle 3D anaglyph. En fait, si tu l'utilises, tu prends tes vieilles lunettes. Ah oui, mais je les ai pas, moi. J'ai pas de 3D anaglyph. Moi, j'en ai. Alors, par contre, pour t'expliquer aussi, j'ai essayé de rendre une vidéo avec ce shader et en étant. Comment dire? Et en faisant une vidéo 360 avec. Oui. Et ben, ça marche pas. Ça fait que d'un côté. Bah en fait la vidéo 360 finalement c'est 6 points de vue qui sont assemblés, on est d'accord. Et en fait ça te fait ce truc là tordu pour chaque point de vue. Du coup à la fin en fait ça fait des trucs bizarres. Attends, j'ai vu une superbe vidéo là-dessus. C'est vrai qu'il est beau leur truc. Ça doit déformer les axes. Ah, je sais pas comment ils ont fait ça, mais se balader dans la ville c'est... La rue, elle bouge, monsieur l'agent. T'as cet effet-là dans Inception. Je vous ai balancé un lien sur le Discord et... Quand il replie Paris sur elle-même, il utilise ça. Il nous a balancé un lien sur le Discord. Alors, je pourrais pas aller le voir tout de suite, hein, mais... Alors, ce que j'ai déjà testé, c'est d'aller dans le bowling. Alors, les pistes de bowling, c'est plus pareil. Les pistes de bowling... Allez voir le lien que vous envoyez dans le Discord. Je trouve que, franchement, ça claque. Down. Oh le bowling quoi. Ah, monsieur, la quille elle va pas, elle va sur la gauche. Pourquoi la quille elle est sur le plafond là? Non mais c'est ça. Hein. Regarde la tronche du bowling. Oh putain ouais, ah c'est génial. Tu vois le truc qui se reforme. Quand tu t'arrêtes c'est trop drôle. Oh la quille elle vole. Ah bah dehors il se passe des trucs aussi. Ça se regonfle. Oula! Oula, attendez, oula! Oula! Attendez, attendez, le sol il est pas palpable là. Non mais regarde ça, il s'est littéralement retourné sur lui-même quoi. Oh putain, oui! Wouah! Ah bah dedans, ça. Ouh. Dehors c'est la fête, alors on va voir ce qui se passe à la Avec Cone.
Là, avec convention. Est-ce qu'il y en a qui... T'as les armes dehors, ils dansent. J'ai balancé sur YouTube. Le jardin, j'ai tout ça encore. Et trop tard, si t'es 5 minutes, tu peux la balancer en live, franchement. Oh putain! Oh, le build des Dead Knight, il est franchement cool. Hein. Oh, voilà. Avec ses shaders là? Ouais. Non, il a fait un build des Dead Knight qu'il vient de balancer dans. Où ça? Non, je regarde. Dans une discussion. Ah, les perspectives, elles sont pas les mêmes. Genre, en fait, tu vois, ce shader, on dirait la vidéo du pont suspendu là des années 40. Oui, je vois lequel c'est. Qui tourne et qui se coupe en deux. Bizarrement, pour prédire le fait que des ingénieurs n'avaient pas prévu la résonance vis-à-vis du vent, ils te sortent toujours celle-là de vidéo. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'en regardant par la fenêtre, je peux voir des éléments que normalement, je devrais pas pouvoir être capable de regarder par la fenêtre. Distorsion espace-temps. Alors là, c'est... Alors, le pont de Kirel, pendant ce temps-là, il est en train de faire la Zumba, justement. Non, mais regardez ça. La ville danse, littéralement, quoi. Salut. Mais va voir la vidéo que je t'ai envoyée. Il y en a vraiment pour 2 minutes. Tu la balances sur le live, à la limite, c'est pas... Tu l'as vu? Attends. Je suis amazing. It's amazing. Wow. It is amazing. Distorsion maximum. Faut que je vais tester ces shaders. Oh, la tronche du truc, quoi. Le shader. Tu peux essayer de faire un escalier d'échelle avec ce truc là. Un quoi? Shader. Ah oui, là tu peux là. Wow, comment ça? Wow. Oh putain. Bah du coup je vais y aller. Je vous fais des bisous. Il faut que je regarde ta vidéo, ouais. Je vais le faire, mais là ce que je vois à l'écran est déjà suffisant pour... Ouf. What? Oh, la mer qui se retourne là. Et oui. L'avion. Il est où l'avion? Oh, l'avion. Tu comprends pourquoi il va se crasher l'avion là. Ouh. Ah putain, si t'es le pilote, oui, je comprends. Oula, distorsion maximum là, les gars. Ah oui, l'avion. C'est bien, c'est que du coup, avec ça, Minecraft est plus trop cubique. Mais regarde où est l'avion. Regarde où est l'avion. Il tourne sur lui-même. On dirait vraiment qu'il bouge. J'ai l'impression qu'il bande mou l'avion, ouais, mais. Ouais, non, mais là, il est. Là, je crois que l'avion. Même l'avion, il en revient pas de ce qu'il voit en dessous de lui. T'as l'impression qu'il bat des ailes, quoi. Non. Sauvez-moi. Oh, il est en train de plonger. Mais comment l'avion peut être au niveau de mon curseur alors que je regarde en bas? À tous. Ciao. On appelle l'acide. Ciao. Waouh. Je vais aller dans le musée voir à quoi ça ressemble là-bas. Alors va te repérer en plus. Toi mieux qu'un autre, tu la connais par cœur quand même. Moi j'ai mon PC, il a pas aimé là. Je me suis déplacé un peu vite, le PC a vraiment pas aimé. Alors ce que j'aime bien, c'est que à travers la verrière du musée, j'arrive à voir le sol. Ah ouais. C'est pas mal ça. Hein. Wow. Tu serais pas en train de te ficher de moi, Rome? Un peu. C'est en fait genre la drogue, ça active le X-ray mode en fait. Méchamment, ouais. Tiens, je viens de terminer un je sais plus comment ça s'appelle, un Skylab, je crois. Enfin bref, je me demande ce que ça rend sous acide. Skylab, un quoi? C'est genre un tour du ciel, non? Non, c'est tu fais un patio et tu fais une couche très très fine. J'ai déjà fait dans un bâtiment, mais en gros, ça donne l'impression que t'as une feu. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que c'est un patio, donc c'est une cour carrée. Tu te mets au centre, tu t'assois, et t'as pas d'épaisseur au plafond en fait. C'est quasiment une feuille de métal. Du coup, tu te poses et ça te fait bugger. Que t'as l'impression que c'est pas... ça a l'air pas possible. D'accord. Et c'est où? C'est sur le serveur là ou c'est autre part? Non, je suis sur le serveur.
Bah c'est parti. Je vais peut-être pas me TP à toi, t'es vers où en fait? Je suis à la Amazon. C'est pas con ça de suivre les canaux avec le schéma. Bah alors là c'est... Là tu vois, je vais tout droit, mais techniquement mon objectif est à ma gauche. Sauf qu'en fait avec le shader, il est au-dessus. Voilà, c'est ça. Ce qui serait vraiment drôle avec le shader, c'est de voir à la fois le dessous et le dessus du pont. C'est bien, c'est que tu vois, ça c'est un shader acide qui remue, mais il n'y a pas de shader genre Inception, tu sais, qui ramène le truc au-dessus de toi. Ça doit être possible, ça pourrait le faire, hein. Ça pourrait le faire. Ça peut être drôle aussi, c'est de filmer le gars qui est sous le shader acide. Qui fait des zigzags et des ronds. Qui est tout bourré. Tiens, je regardais comment tu marches déjà, ça doit être drôle. Ah mais t'inquiète, je commence à m'y être habitué, donc ça va. Oh, vite. Il arrive à voir les poteaux du canal, donc du coup il les suit. Par contre la musique elle va bien avec. Alors c'est où dans ta zone que t'as fait Il est là, il est là. C'est le carré en bois. Tout seul. Si tu veux, j'ai de la musique de drogué, j'ai de la trance. Alors où est le carré en bois tout seul? Y a un mec dessus. Alors attention. Ah je l'ai. J'ai le carré en bois. Nous avons le pseudo le plus original de l'histoire qui te demande... Alors on a Codeur qui dit carré. Pourquoi c'est pas carré mais ça bouge tout. c'est le nouveau Minecraft en fait, c'est la version 2. Ouais, Microsoft nous a caché ça. Wow, c'est la super secrète option. On a la bêta test là, qui nous ont refilé exprès. Ah bah tu vois que mes routes courbes elles sont droites en fait, et trop tard. Ah bah oui, attends fais voir. Ah ouais, maintenant elles sont droites. Ah ouais, elles sont... Ouais. Oh, c'est vrai qu'elle est droite en plus. Donc le cube en bois. C'est allé dans la ville historique avec Ça serait vraiment drôle de le faire, effectivement. Et qu'est-ce que je dois regarder sur le cube en bois, du coup? Ah non, ça rend mieux sur mon shader. C'est fin, ça rend moins... Avec la scie, je pensais que ça rendrait un truc un peu fun. Mais en fait, ce shader, il applique pas d'ombre. C'est peut-être ça qui fait que c'est... Si tu veux, ce truc-là, je l'ai vu en vrai, ça fait vraiment un effet bluff. Hein. Tu restes assis 10 minutes et tu comprends pas comment ça marche. Je sais pas, moi, je trouve qu'il y a rien de choquant. Non, mais là, ça rend pas bien dans le jeu. Mais tu le verras en vrai, je te jure, ça a vraiment un effet... D'accord. Mais comme c'est super fin, ça donne un côté irréel, t'as l'impression que c'est pas un plafond que... C'est un écran de télé ou enfin. Ouais, je sais vois. Que c'est le ciel, mais ça devrait pas être le ciel. Ça, c'est à peu près aussi bizarre que si tu te regardais dans une cave et que tu voyais le ciel, quoi. C'est pas drôle, le soleil il se déforme pas. Oh. Bon, est-ce que j'ai arrivé à voir le plafond? Oh, j'arrive à voir la tour. Ouais. Là, j'arrive à voir la tour, ouais. Je vois le sommet de la tour, alors je suis à l'intérieur du bloc. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est les... Avec ce mode Acid Shaders, là, c'est les tunnels. Ah, les tunnels, ils rendent super bien. J'imagine trop les tunnels. Bah là, on a le tunnel du quartier de Cyrano, justement. Le tunnel brique. J'ai un tunnel, moi? Ah oui, ça me revient. Voilà, c'est parti. Le tunnel. Alors, je précise, le tunnel à la base est droit. On a fait quelques travaux d'urbanisme, maintenant c'est un zigzag. Attends, on dirait des montagnes russes. Décalage. Il y a quasiment 30 secondes avec le live. C'est normal. Il y a même exactement 30 secondes. Normal. Moi j'ai plus, mais ça c'est parce que j'ai une voix de merde. C'est beau. C'est bon. Faudrait faire une boucle, je sais pas comment, où tu reviens au départ, tu fais plein de tours et tu mets la vidéo en accéléré. Attends, je crois qu'il y a un gros tunnel dans New Asia si tu veux tester. Un gros tunnel. Ah, alors il y a des endroits qui sont pas mal. Hein. Il y a celui de l'avenue là sous Amberstone. Alors là déjà il y en a un qui est là. Vous remarquerez mon aisance à me repérer. Hein. Ça c'est parce qu'on a fait le plan d'urbanisme. Wow, c'est bon, voilà. La route est droite, monseigneur.
que tu as fait le plan sous acide, alors du coup là maintenant il est noir. C'est ouais, pas putain, mal. Le tunnel, quand c'est pas mal, je valide. J'adore, t'es en plein milieu du tunnel et à la fin en fait t'as l'impression qu'il plonge. C'est incroyable. Alors on va aller à un autre endroit que j'ai repéré. Salut! Et en fait, ce qui est sympa, c'est que plus tu t'éloignes, plus la distorsion est forte en fait. Et plus tu vas vite aussi. Et plus tu vas vite. Oh, sur la droite, la construction de Dewark. Bon, on va voir un dernier endroit, après on file dans la ville historique. Et après on passe sur Portal, on va botter les fesses de Whitley. Oh, attention. Oh, le quartier sushi, je le reconnais plus. C'est en train de se fermer sur toi, là. Non. C'est quoi? C'est le film 2012, là. Non. C'est vrai, on a raté la fin du monde. Encore un truc a été annulé, ça. Oh, je sais pas, il y a eu des élections américaines récemment. La fin du monde en 2016. Alors, je tiens à préciser que cette route est droite. Un petit colloque. Le paysage sur les côtés est très... Les rues qui remuent au fond et tout. Oui. Regarde le panneau de signalisation qui arrive là. Wow. Ah, c'est franchement pas mal. Ah. Okay, on voit le relais de bus et les bus. Les bâtiments qui partent en cacahuète. C'est vrai que c'est un sacré bon boulot qu'il a fait. Attention, je vois le panneau qui arrive. Et après, il y a une autre chose à faire. Putain, on dirait un checkpoint dans Trackmania. Quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Avec la même courbure. Et là aussi, on a un autre tunnel. Celui-là, il est particulièrement costaud, quoi. Moi, je dis juste, tu sais, prends une photo juste avant le panneau, tu sais, où tu vois le panneau, et derrière, tu vois la vie en acier. Ça serait assez cool, un jeu de course avec un effet comme ça. Ouais. Bah techniquement tu peux le faire dans Minecraft hein. Ah, qui t'empêche de faire hein. Mais je sais pas si l'effet vitesse dans Minecraft va être très bien rendu. Même s'il a fait l'effet acide est super classe. Trackmania LSD. D'ailleurs parlons de piste de course, Romain, pourquoi tu m'as fait un damier de course dans mon quartier? Ah c'est moi qui l'ai fait, c'est un passage piéton. Ah d'accord. Parlons de piste de course. Bah je sais pas, ça me faisait penser aux damiers de course, tu sais. T'inquiète pas, une piste de course, on en a prévu une, mais pas dans ton quartier. Ah bon, on a prévu une piste de course? Moi, si. Ah d'accord. Je suis le responsable des routes, donc je fais des routes. Ah, une route sur la lune. C'est vrai qu'un jour, il y aura la première route sur la lune. Ah ouais, putain. Un jour, il y aura des circuits sur la Lune. Un jour, on fera du wipeout sur la Lune. Oh, le viaduc, il va tellement rendre bien. Viaduc. On a un viaduc ici. On a un viaduc. On en a deux de viaduc. Ouais. On en a des viaducs. Putain. Oh, le viaduc. Non, non, l'eau, elle passe moins bien, là. Ouah, le viaduc. Tu savais, Cyrano, qu'on avait des viaducs? Non, j'étais pas au courant qu'on avait un viaduc. Mais moi non plus en fait. Alors, c'est arrivé, c'est officiel. J'ai vu à la fois le dessous du viaduc et le dessus. Ah ouais, tout à fait. Ah, l'aqueduc, non? Oh ouais, mais c'est pareil. Ouais, oui, l'aqueduc, mais c'est aussi techniquement un viaduc. S'il n'y a pas une route dessus, moi j'appelle pas ça un viaduc. Une route ou tout moyen de transport. Qui boum.
contient un humain. De l'eau, ça contient pas des humains. Je vais vomir, oh, putain, je suis en pleine redescente. Oh con. Non, ça va. Voilà les vagues que ça fait. La grande muraille de Chine. On voit encore l'avion ou pas? Oh, le quartier. Le quartier historique. Oh non, c'est pas bien les armes de base pour le quartier. Faut mettre des armes custom. On va suivre la route. Qu'est-ce qu'il y a dit ici? Route, véhicule, suite. Je sais pas, je pense que c'est Mi qui a dû mettre ça. Bienvenue dans le quartier historique. T'as vu, j'ai fait un bâtiment pas loin. Lucy in the sky with diamonds. Où est-ce que t'as fait un bâtiment? Sur, te souviens le truc en... Oui, je l'ai vu. En... Oui, oui. Oui, je le vois, il est en train de danser là-bas. Ouais, je le vois, moi aussi. Le château... Où est-il? Ah, le château est par là, mais il n'est pas chargé. Ah, on voit, je vois la basilique, ici. Elle est bizarre. On serait en Italie, là, ça serait un terremoto, les mecs, ils seraient en train de paniquer, puissance divine. Encore le tremblement de terre, ma mamie. Ouf. Mais c'est vrai qu'une map de New Asia en mode apocalyptique, ça pourrait être Apocalypse Now. Genre on l'a fait et après on la met en mode survie. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de New Asia. Et ben non, il est temps d'aller dans Port Marais. On est tout bourré. Romain? Oui. C'est toi qui as fait le parc ici? Les Doudouze Park. Je suis pas sur le serveur en fait. Qui a fait quoi? Je crois que c'est. Il y a un énorme bâtiment assez sympa qui est apparu près du quartier historique, à côté de ta voie de tram. Blanc et vert? Blanc, noir, oui. Oui, c'est moi. Et le parc aussi. Il y a la verdure dessus. Ça marche. Est-ce que ça te dérange? Enfin, si j'enlève les arbres et que j'en remets des plus troncheux, ça me dérange pas. Parce que je supporte plus les arbres de base en fait. Oula, il est en train de se passer des choses à l'écran là. Le mal de crâne est palpable. Ouais. Les gars, je vous laisse. Ça ne ressemble plus à rien et trop tard, il faut arrêter. On live les gars. Ciao Rome. Oh là là, le mal de crâne. Je crois que c'est la redescente là. C'est l'overdose, les gars. Tiens, regarde. Oh. Moi, je vais y aller aussi. Je regarde. Non, ça ressemble plus à rien là. Et t'as fait quoi pour faire ça? T'as bougé comme un malade? T'as fait un TP? Je suis juste monté dans les airs. Minecraft se vomit, quoi. Oh là 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 là. Mais c'est drôle, tout à l'heure, quand t'es allé dans la petite boîte en bois, quand la perspective est réduite, ça fait pas grand chose. J'ai l'impression qu'en intérieur, ça fait quasi. Alors là, c'est Minecraft dans ta machine à laver. Ouais, je fais déco incessamment, je peux que je le veuille ou non. Bonne fin de soirée, trop tard. Bah, tata, monsieur. Et merci d'être passé ce soir. Moi, ouais, c'était marrant. Et moi, je pense que je vais éteindre là, et puis on va passer sur le portal. Waouh. Meilleur shader ever.